Nous sommes ici pour répondre directement à notre frère Zorobilel, le grand combattant. Force à toi, mon frère. Force à toi. Bien, nous allons droit au but. Nous avions reçu la vidéo que tu as faite, le message que tu as passé. Nous l'avions compris. Salut peuple d'Afrique, peuple conscient, les enfants de Kimbangu, de Sankara, de Kadhafi, les enfants de Kwame Nkrumah, d'Amilcar Cabral, les enfants de Sékou Touré. J'ai fait cette vidéo parce que je suis tombé sur des photos de Kouku Nguessou, l'actuel avatar régent dans l'enclos du Congo qu'ils appellent Brazzaville. Que nous rappelons, c'est nommé Congo Foi. J'ai vu des photos où Paul Kagame est en train de couronner Kouku Nguessou, le président de l'enclos colonial et la cloison de Berlin qu'on appelle Brazzaville, Congo. Comment un peuple frère avec un dirigeant soi-disant frère à la République a démocratisé du Congo qui est au moment où nous sommes en train de parler, victime d'une agression fomentée par Paul Kagame et les Rwandais, puisse accepter les honneurs de l'agresseur du frère de la RDC. Nous allons te répondre pour te dire que tu es un élément capital, un élément important pour que tu fasses le relais de ce que ce peuple doit se lever. Tu l'as toujours fait. La preuve, j'ai dit, grand combattant. Force à toi une fois de plus. Tu as eu à écrire Bantoukrassi. Ce serait bien si c'était Congocratie. Congocratie. Bon, tout en notant que le crassi là, après, on met ça entre parenthèses. Pour ne pas dire, fallait que ce soit Congo. Là, tu as voulu partir sur Bantou. Il n'y a pas de souci. Roger, vous avez reçu également l'auteur du livre Bantoukratie, tome 1, La révolte de l'esprit branché. Ah ouais, ça c'est Intéressant vraiment comme une titre. figure. Tout à fait. La bantoucratie représente une épistème de, qui s'engage pleinement dans la renaissance du peuple en favorisant l'émergence d'un esprit vif capable de défier l'ordre établi sans détour. C'est ce que nous a révélé, en tout cas, lors d'un entretien, l'écrivain congolais Zorobilel Ingeta Solarien. Au cours de notre discussion, il nous a offert un aperçu de sa vision et de son engagement envers ce mouvement novateur. Regardez un peu ce qu'il nous a dit et vous allez comprendre ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut attraper les taureaux par les cornes et identifier les problèmes et apporter les remèdes idoines pour solutionner les problèmes. Et là, nous parlons d'un problème qui est historique, un problème qui est politique, qui est spirituel et scientifique aussi. Donc, nous, à travers cet ouvrage, nous avons fait des recherches qui nous ont poussé à écrire. Mais dans nos recherches, nous sommes allés chercher les problèmes. Quand je parle de problèmes, je parle de problèmes de nous, des Noirs. En commençant par l'État indépendant du Congo, d'où je suis parti. Donc, c'est là où, en fait, c'est la pièce didactique où tout a commencé. Donc, de là, nous pouvons, en identifiant les problèmes qui se passent au Congo, nous pouvons tout de suite cerner tout le problème qui se passe en Afrique. Et vous pouvez en même temps par les Congo comprendre les problèmes qu'il y a dans la diaspora noire dans le monde. L'auteur de la Bantoukratie estime que son œuvre est un travail qui harmonise le spirituel, la science et la politique. Un travail qui s'appuie sur l'histoire et qui permet de concrétiser les rêves de nos ancêtres pour le bien de nos peuples et de nos terres. En unissant ces différents aspects, il vise à établir un lien profond entre les dimensions essentielles de la vie humaine et à créer une voie vers un avenir épanouissant. En se fondant bien sûr sur les fondements culturels et historiques des communautés. Voilà un peu, Alex, ce qu'on avait prévu pour nos téléspectateurs. Merci Roger. Merci beaucoup. Excellent week-end. Merci à vous aussi. Merci. Comment est-ce que Sassou Nguesso peut trahir à ce point ses frères?
de l'autre rive du fleuve Congo. Comment est-ce que les peuples du Congo-Foi peuvent accepter avoir un dictateur dirigeant tortionnaire, inamovible et qui utilise des produits à hydroquinone pour se décaper la peau, les représenter? C'est une vidéo de ras-le-bol pour appeler nos frères Congo. Que vous soyez Congo d'Angola, Congo de Kinshasa ou Congo d'Enfoi, de vous lever maintenant à mettre hors d'état de nuire cette vermine que Kuku Nguesso, qui est en train de favoriser l'expansion de l'empire Imatuti sur les terres des Bantous, les terres que nos ancêtres nous ont léguées. Bon, le message est reçu, mon frère, que les Congo d'Angola, les Congo de la petite terre Congo et que les Congo de la grande terre Congo, notamment RDK, comme tu dis, la République a démocratisé. D'accord. Que ce Congo-là se lève et chasse le crocodile dictateur qui règne sur la petite terre Congo pendant presque 40 ans. Le message est reçu. Le message est accepté. Tu comprends, mon frère? Nous l'acceptons. Nous, les Congo, nous l'acceptons. Mais nous allons te dire ceci. Tu n'as jamais entendu parler de la Fédération Congo. Mon frère, tu n'as jamais entendu parler de la Fédération Congo. C'est de cette fédération dont nous vous avions interpellé depuis un certain temps. Personnellement, j'ai fait des vidéos appelant en ce temps, le feu des FAO était encore vivant. J'ai interpellé tout le monde. Tu es Congo. Tu es Congo. Mais comment tu es Congo, juste là, de l'autre côté de la rive? Tu ne sais pas qu'il y a une fédération des Congo qui existe, qui réclame l'assistance de tous les Congos, chacun en particulier, des Noirs en général, pour comprendre la cause des chaînes que nous portons, ces chaînes que nous portons mentalement, comme au cou, comme au reste des membres de nos corps. Nous sommes en captivité. Tu le sais bien. Nous avons insisté sur Bantoukassi 2021 parce que c'était le centenaire de Voulouzi Kimbangu de son incarcération, c'est-à-dire 1921-2021. Donc cette coïncidence-là a voulu que nous puissions taper dessus parce que le maître mot, s'il faut dire, le fil conducteur de ces bouquins, de ces écrits, reste Kimbangu. Et pourquoi nous disons Kimbangu? Parce que c'est l'un de nos parents, nos ancêtres, qui a lutté, non pour l'indépendance du Congo, comme nous avons l'habitude de le croire, mais qui luttait pour la libération de l'homme noir. Il a lutté pour que les frontières qui ont été établies à la conférence de Berlin par les impérialistes soient remises en question de manière à réunir les clans, les tribus, les ethnies, les peuples et les nations qui ont été divisées. Vitakanga va révéler cette prophétie qui veut que nous soyons aujourd'hui plusieurs nations réunies. Le Congo est une guerre qui ne se brisera jamais. Le rêve de nos ancêtres était de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien, réunir le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons créer la nation Congo. Lorsque nous parlons du panafricanisme, Vitakanga, avant sa mort, c'est ce qu'il va déjà prédire. Nous respectons les efforts que tu fais dans ce combat.
Mais le combat que vous menez, que toi tu mènes, accompagné des autres combattants que nous respectons fermement, parce que c'est pas facile de se lever, c'est pas facile de crier, c'est pas facile. Nous nous inclinons face à ce que vous faites. Sauf que la façon dont le combat que vous menez est orienté, mon frère, ce combat-là ne va pas aboutir. Qui ont lutté, non pour l'indépendance, mais pour la libération de nos terres occupées par les impérialistes. C'est là où se trouve l'essence de notre lutte. L'indépendance que nous avons l'habitude de chanter au 30 juin pour les cas de l'État indépendant du Congo, la matrice de Berlin, est une illusion. À chaque fois que vous allez vous retrouver le 30 juin, brandir les drapeaux, dire nous sommes indépendants, vous êtes en train de vous moquer de vos ancêtres qui ont fait couler leur sang pour que ces territoires-là soient libérés. C'est un combat d'esprit et la révolte doit être d'abord spirituelle. Et lorsque nous passons par la révolte spirituelle, nous sommes dans l'obligation de nous connecter avec ceux qui nous ont légué les terres que nous avons. Quels étaient les combats de Kimba Vita? Quels étaient les combats de Nemba Nzinga? Quels étaient les combats de Ndingakou ou Nemba Diangola? Quels étaient les combats de tous ces ancêtres méritants qui n'ont pas hésité à prendre les armes pour faire tomber le système impérialiste chez nous? Les impérialistes, ils étaient obligés de se mettre ensemble. Nous avons eu des Anglais, des Espagnols, des Hollandais, des Suédois, des Danois, des Portugais, des Belges, des Français. Tous y sont liés pour charcuter les bassins du Congo. Et l'apogée, l'apothéose de cette procédure-là a été faite en 1885 à la conférence de Berlin. Ils ont atteint leur objectif après avoir affaibli jusqu'à la moelle épinière les royaumes Congo. Mettant de côté en même temps les rêves de nos ancêtres qui étaient de nous mettre ensemble. Là où nous devions nous réunir, et ils nous ont divisés. Ils ont créé des cloisons. Congo-Brazzaville, Congo-RDC, Gabon, Cameroun, Tchad. Et la plus grave erreur que nos pères de l'indépendance ont fait lorsqu'ils ont eu leur indépendance, c'est en 1963. Lorsqu'ils se sont retrouvés en Éthiopie avec Haïlé Sélassié, et ils ont accepté les frontières héritées de la colonisation. C'est des choses que nous devons savoir et nous devons transmettre à nos enfants. Si nous voulons réveiller notre continent, la première chose à faire, c'est déberliniser ce continent-là. La déberlinisation passe par la destruction des frontières spirituelles qui nous ont inculquées au rythme des chicottes, des meurtres, des génocides. Ça n'a pas été une œuvre et une profession de foi. Ce n'étaient pas des enfants de cœur qui nous apprenaient. Désormais, je m'appelle Jean-Baptiste Malinga. Désormais, non, ils nous ont obligé ça. En traumatisant génétiquement nos parents, de manière à ce que nous qui naissions après, nous naissions avec ces traumatismes génétiques. Nous avons la peur naturellement. Nous avons un complexe inexplicable lorsqu'il y a les blancs devant nous. Voilà pourquoi je parle de la révolte de l'esprit. Nous devons nous révolter et la révolte doit être permanente et perpétuelle. Pas un instant de répit. Il faut rester debout, animé par la flamme de nos ancêtres. Pas de nos politiciens avatars. Les avatars, avatar c'est un mot sanskrit qui signifie réincarnation. Nous avons des politiques avatars qui sont la réincarnation des impérialistes que nos ancêtres ont combattus, des colonisateurs que nos parents ont combattus. Et une classe politique a pris le pouvoir après 1960 qui a proliféré à profusion les agents de l'Empire, les enfants de l'Empire et les avatars. Ils ont créé une forme de monarchie où eux seuls, avec leur famille, trônent au sommet. Lorsque le papa meurt, c'est son fils qui prend le pouvoir ou alors son ami proche. Le petit peuple, celui qui est même l'âme de la nation, n'a jamais goûté, je dirais, à une once de la richesse de ces territoires. Voilà pourquoi nous parlons dans l'équipe du Bénin ou de la réappropriation de nos terres. Lorsque nous parlons de la réappropriation de nos terres, nous devons le dire à haute voix. Il y a une mystique tellurienne qui fonctionne tout le temps. Chez moi, on dit ma belle égo sabaté, la terre ne trompe jamais. Lorsque vous plantez les haricots, vous allez récolter les haricots. Lorsque vous plantez du pondou, feuille de manioc, okobuka pondou.
La terre ne trompe jamais. Et lorsque la terre ne te reconnaît pas, peu importe la magie que tu feras, ça n'aboutira à rien du tout. Ça fait 135 ans que mon pays existe. Quel est ce pays africain qui peut se targuer 135 ans après d'être à la hauteur de ceux qui nous ont esclavagisés? Aucun. Au contraire, les seuls pays qui peuvent se targuer de cette possibilité-là, nous nous rendons compte que ce sont des pays féodés aux impérialistes. Ce sont des pays avatars. Souvenez-vous combien de temps vous aviez crié que Kaname dégage. Kanembe n'est pas parti parce que vous aviez eu la victoire. Certes, vous aviez étouffé un tout petit peu. Je me souviens de ce que l'autoroute a été bloquée en Belgique pendant près de 10 minutes. Ce n'est pas de l'amusement en Occident. Que les Noirs se lèvent, que les Congos se lèvent et bloquent l'autoroute pendant près de 10 minutes. Ce n'est pas de l'amusement, c'est à saluer. Nous nous courbons face à tout ça. Nous connaissons comment vous avez secoué la place d'Hitlerville, notamment Panama. Nous voyons comment Bruxelles parfois est paralysée, comment London est secouée, comment nous voyons, nous acclamons, nous sommes du combat. Mais sauf que ce combat-là ne va pas aboutir. Ce combat-là ne va pas apporter des solutions. Kanembe est parti, Tshisekedi est venu, un autre crocodile. Où est le combat? Le combat est encore là et le combat patine toujours. L'ennemi n'est pas Congo. Tu as dit, ça. Je n'aime plus prononcer ce nom, c'est bizarre. Tu as dit que le crocodile de la petite terre Congo est notre frère. L'enclos colonial et la cloison de Berlin qu'on appelle Brazzaville, Congo. Comment un peuple frère avec un dirigeant, soi-disant frère, à la République à démocratiser du Congo, qui est, au moment où nous sommes en train de parler, victime d'une agression fomentée par Paul Kagame et les Rwanda, puisse accepter les honneurs de l'agresseur du frère de la RDC? Non, il n'est pas notre frère. Tu devrais le comprendre, tu devrais le connaître, tu es un combattant, mon frère. Il n'est pas notre frère. Kouko Nguessou, le président de l'enclos colonial et la cloison de Berlin qu'on appelle Brazzaville, Congo. Comment un peuple frère avec un dirigeant, soi-disant frère, à la République à démocratiser du Congo, qui est, au moment où nous sommes en train de parler, victime d'une agression fomentée par Paul Kagame et les Rwanda, puisse accepter les honneurs de l'agresseur du frère de la RDC. Quand quelqu'un est dans la trahison, quand quelqu'un est nègre de maison, quand quelqu'un est un vatou des Occidentaux, des orientaux, donc des nations, il n'est pas notre frère. Nous ne regardons pas la peau. La preuve, lui-même le prouve par sa peau, qui n'est pas nôtre, parce qu'il haït la peau qu'il porte. Il décape cette peau-là. Et avec insistance, il le fait. Ça s'entend qu'il ne voudrait pas ressembler. En fait, qui ne voudrait pas ressembler à nous autres, à nos ancêtres, aux propriétaires de cette terre-là. Et tu devrais savoir qu'il n'est pas Congo. Ça, au moins, tu dois le savoir.
Tu devrais le savoir, il n'est pas Congo. Et également, tu devrais t'en rendre compte que étant donné qu'il n'est pas notre frère, étant donné qu'il n'est pas Congo, et qu'il décape la peau, il devient comme, je ne sais pas, un guémbo. Donc en fait, il n'est ni oiseau, ni je ne sais quoi, ni je ne sais quoi. Il n'a pas de repère en fait, sauf dans la traîtrise. Parce que c'est un bon élément, un bon produit occidental. Salut peuple d'Afrique, peuple conscient, les enfants de Kimbangu, de Sankara, de Kadhafi, les enfants de Kwame Nkrumah, d'Amilcar Cabral, les enfants de Sékou Touré. J'ai fait cette vidéo parce que je suis tombé sur des photos Kuku Nguessou, les photos de Kuku Nguessou, l'actuel avatar régent dans l'enclos du Congo qu'ils appellent Brazzaville et Kuku Nguessou, l'actuel avatar régent dans l'enclos du Congo qu'ils appellent Brazzaville et Kuku Nguessou, l'actuel avatar régent dans l'enclos du Congo qu'ils appellent Brazzaville. Que nous rappelons, c'est nommé Congo Foi. C'est un bon élément, un bon produit occidental. Et il est bien là pour détruire ce que nous sommes. L'ennemi est connu, mon frère. L'ennemi n'a pas changé de visage. L'ennemi est rentré sur notre terre, nous a coupé les mains. Nous a coupé les pieds, a brûlé nos villages, a séparé nos familles, nous a mis la chaîne au cou. L'ennemi a installé des religions. Et tu le sais, aucune religion n'est des cieux. Aucune religion née de Nzambia Mpungu, née du créateur vivant, née de Mfumu Congo. Toutes les religions sont l'œuvre des hommes. Et l'ennemi passe par les religions pour manipuler nos peuples, pour nous tuer. Et les religions sont en communion avec le crocodile dictateur sur la petite terre Congo. Alexandre VI est le fils adoptif, le neveu de celui qu'on appelle Calixte III, qui était le pape, qui est arrivé après Nicolas V. Nicolas V, c'est le pape qui a publié la bulle papale Romanus Pontifex. Nous accusons, avec tout le respect des âmes de toutes les personnes qui ont péri de ces exactions-là, à Nuremberg, lorsqu'ils sont réunis, ils se sont dit, il nous faut un document qui justifie l'œuvre réalisée par les nazis. Et pour avoir ces documents-là, ils ont brandi Mein Kampf. Lorsque vous lisez la bulle papale publiée par Nicolas V, 1454, c'est pire que le Mein Kampf. Vous avez l'ordre d'assujettir les Noirs et les Sarrasins jusqu'à la servitude perpétuelle. Et vous avez même l'ordre, le pouvoir d'assujettir leurs descendants. Et c'est de ça, de cela qui est parti l'esclavagisme, c'est de là qui est parti la déportation, c'est de là qui est parti le mot même génocide que nous parlons. Le mot génocide a pris son sens après la Deuxième Guerre mondiale avec Raphaël Lemkin, qui a été lui-même victime des exactions des nazis. Mais le génocide, heureusement, il a pu répertorier tous les génocides d'avant. Mais pourquoi personne ne veut que nous puissions parler de nos ancêtres qui ont été tués? Leurs âmes ont besoin de se reposer en paix. Pour ce faire, leurs âmes ne pourront jamais se reposer en paix s'il n'y a pas eu de justice, s'il n'y a pas eu de réparation.
Donc, quand tu dis qu'il est notre frère, je te dis d'avance, non, il n'est pas. Avec un dirigeant, soi-disant frère, à la République à démocratiser du Congo, c'est un ennemi. Cependant, il existe la Fédération Congo. Les Congos se sont levés. Et en se levant, ils ont interpellé tous les Congos du monde entier, donc ceux de la RDK, comme tu dis, la République a démocratisé du Congo, devrait s'informer en premier. Et nous avions lancé des appels. Nous avions interpellé. Sauf que vous êtes resté obstiné à suivre le combat tel que vous l'instaurez. C'est une vidéo de ras-le-bol pour appeler nos frères Congo. Que vous soyez Congo, d'Angola, Congo, de Kinshasa ou Congo, d'Anfoua, de vous lever maintenant à mettre hors d'état de nuire cette vermine qui est Kuku Nguessou, qui est en train de favoriser l'expansion de l'empire Imatuti sur les terres des Bantous, les terres que nos ancêtres nous ont léguées. Nous devons construire le panafricanisme, la panafricanité dans les vrais, dans les justes, dans les bons, dans les biens. Vous êtes resté obstiné à suivre le combat tel que vous l'instaurez, à lutter chaque fois avec des musiciens, à lutter chaque fois avec les petits politiques qui viennent perturber en Occident. Et c'est ça le combat. Pendant ce temps sur le terrain, la situation ne change pas. Oui, sur la petite terre Congo, de même, la situation ne change pas. La preuve, le crocodile est là près de 40 ans déjà. Et le crocodile ne fait que tuer. Comment est-ce que Sassou Nguesso peut trahir à ce point ses frères de l'autre rive du fleuve Congo? Comment est-ce que les peuples du Congo en foi peuvent accepter avoir un dictateur dirigeant tortionnaire, inamovible et qui utilise des produits à hydroquinone pour se décaper la peau, les représenter? C'est une vidéo de ras-le-bol pour appeler nos frères Congo. Que vous soyez Congo d'Angola, Congo de Kinshasa ou Congo d'Anfoua, de vous lever maintenant à mettre hors d'état de nuire cette vermine qui est Kuku Nguessou, qui est en train de favoriser l'expansion de l'empire Imatuti sur les terres des Bantous, les terres que nos ancêtres nous ont léguées. Nous devons construire le panafricanisme, la panafricanité dans les vrais, dans les justes, dans les bons, dans les biens. Et nous ne pourrons jamais construire dans l'opportunisme tant que je reste au pouvoir, peu importe ce qui arrive au mien, rien à cirer. Sassou Nguessou doit dégager et les Aïrois et les Angolais et les Congolais qui sont au Congo foi. Vous devez maintenant vous mettre en mouvement pour dégager Sassou Nguessou. Time is come, le moment est arrivé. Au nom de tous les ancêtres méritants, ceux qui ont fait couler leur sang pour que nous héritions de ces terres-là et non de ces pays construits à la Conférence de Berlin. Voilà pourquoi nous parlons de la déberlinisation. Le crocodile est là près de 40 ans déjà. Et le crocodile ne fait que tuer. Et l'arme biologique comme poison, comme je ne sais quoi et quoi, si c'est passé dans l'eau, ou c'est passé dans l'air, ou c'est passé dans la nourriture, on ne connaît pas. Ou si ça a été jeté par terre, on ne connaît pas. Présentement, est en train de tuer dans le sud de la petite terre Congo, au cœur des terres de la Fédération Congo. Des gens sont en train de mourir par centaines, par milliers. L'OMS n'est pas absent.
le PNUD ou je ne sais pas quoi, pas présent, absent. Aucun média n'en parle, personne n'est informé, mais les gens sont en train de mourir comme des mouches. L'ennemi est en activité. L'ennemi est connu. L'ennemi est dans le grand remplacement qui a été lancé depuis des siècles, qui malheureusement n'aboutit toujours pas encore. Et maintenant, l'ennemi a changé de calibre, a pris une autre puissance d'avancement à laquelle, si nous ne nous levons pas pour stopper ça, ça va aboutir. L'ennemi a toujours utilisé le nègre de maison parce que l'ennemi en a formé. Et le crocodile, dictateur de la petite terre Congo, dont tu dis que nous nous levons pour le chasser, est un nègre de maison, est au service de l'ennemi. Et donc, lui, il est notre ennemi, il n'est pas notre frère. Et la solution, c'est la Fédération Congo. Nous avions parlé de ça. Longtemps, nous avions parlé de ça. Et toi, tu es bien placé, étant grand combattant, d'en faire le relais. Le combat, informe-toi, je t'en prie. Tu en as, tu es combattant, tu es longtemps dans le combat, mobilise les Congo. De ton côté, de se joindre à la Fédération Congo. De signer la pétition de la Fédération Congo. Les Congo sont en train de signer et depuis toujours signent. Donc, tu es le bienvenu de le faire. Tu es Congo, mon frère. Et derrière toi, il y a des Congo. Et le combat, c'est un combat de fédération. Il faudra se fédérer parce que nous sommes au temps des alliances. Mais l'ennemi, nous connaissons l'ennemi. L'ennemi, nous allons le vaincre. Mais la solution, c'est la Fédération Congo. La Fédération Congo. J'insiste bien, c'est la solution. Parce que dans la Fédération Congo, on ne va pas trouver des églises ni des hommes en robe et en cravate. Tu connais les hommes en robe et en cravate? Non, les pasteurs, les prêtres, les imams, quoi et quoi. Il n'y a pas de religion là-dedans. Là-bas, c'est des gens qui sont intelligents, les gens qui ont compris que on loue le Créateur vivant dans le secret. Qu'on ne devrait pas porter les religions, les églises, dans ce combat-là. Et les gens sont fédérés et les choses sont avancées. Et nous connaissons bien l'ennemi, que l'ennemi est un nègre de maison à la solde des nations, est étranger. L'ennemi est étranger. Je ne sais pas si tu comprends. Force à toi, mon frère. Et merci pour cette vidéo parce que ça interpelle les Congos. Que les Congos comprennent qu'ils doivent se fédérer pour leur cause. Parce qu'en faisant appel aux Congos de ces trois régions, de se lever, de chasser le crocodile, félicitations. C'est une force. Ça entend que tout ce qui est derrière nous est passé. Nous allons avancer maintenant. Lève-toi, mon frère. Dis au Congo. Dis à toute la diaspora de s'appuyer sur la Fédération Congo. Elle est une puissance. Force à toi, mon frère. Ngeta.